Le Seigneur a nourri son peuple au désert. Il l'a rassasié du pain du ciel. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Matthieu au chapitre 14, du 13e au 21e verset. Jésus partit en barque pour un endroit désert à l'écart. Les foules la prirent et, quittant leur ville, elles suivirent à pied. En débarquant, il vit une grande foule de gens. Il fut saisi de pitié envers eux et guérit les infirmes. Le soir venu, les disciples s'approchèrent et lui dirent : « L'endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc la foule. » Qu'ils aillent dans les villages s'acheter à manger. Mais Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin de s'en aller, donnez-leur vous-même à manger. Alors ils lui disent, nous n'avons là que 5 pains et 2 poissons. Jésus dit, apportez-les-moi ici. Puis, ordonnant à la foule de s'asseoir sur l'herbe, il prit les 5 pains et les 2 poissons, et, levant les yeux au ciel, il prononça la bénédiction. Il rompit les pains, il les donna aux disciples, et les disciples les donnèrent à la foule. Tous mangèrent à leur faim, et des morceaux qui restaient, on ramassa 12 paniers pleins. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000, sans compter les femmes et les enfants. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous sommes là le 18e dimanche du temps ordinaire et l'Église Notre Mère nous a proposé 3 textes. Dans la deuxième lecture, pour commencer, Saint Paul partage avec nous la certitude qu'il a. Bien sûr, sa lettre est adressée aux Romains. Mais aujourd'hui, cette lettre est adressée à nous, chrétiens d'aujourd'hui. Il partage avec nous sa certitude. Et quelle est la certitude de Saint Paul? C'est que rien ne peut nous séparer de l'amour du Christ. Lorsque j'étais en train de réfléchir sur ces textes, j'ai essayé de réfléchir sur la vie des chrétiens aujourd'hui. Est-ce que nous partageons la même certitude que Saint Paul aujourd'hui? Est-ce que rien ne nous sépare de l'amour du Christ aujourd'hui? Y
pose la question, la détresse, l'angoisse. Mais est-ce qu'il n'y en a pas qui vivent dans la détresse aujourd'hui? Dans l'angoisse aujourd'hui. Et qui veulent même se donner la mort à cause de l'angoisse, à cause de la détresse à travers lesquelles ils ou elles traversent. Et la détresse et l'angoisse ne leur permettent plus de suivre le Christ, d'aller vers Jésus qui se donne tout entier. Pourquoi ? Parce que terrassés par la détresse, terrassés par l'angoisse, ils ont envie de se donner la mort. Aujourd'hui, chrétiens, il y en a sous d'autres cieux à cause de la faim, à cause du dénuement, à cause du danger de la guerre, à cause du supplice. Ils ne savent plus où aller. Ils ne savent plus le chemin qui mène vers Dieu. À cause de la maladie, ils ne savent plus le chemin qui mène vers Dieu. Ils se sont séparés de l'amour du Christ. À cause de la faim, à cause du dénuement, à cause du danger de la guerre, à cause du supplice. Ils ne savent plus aller vers le Seigneur qui nous appelle tous les jours. Ici et sous d'autres cieux. Mais saint Paul nous rappelle la certitude qu'il a en Dieu, en Jésus-Christ. Il dit, ni la mort, ni la vie, ni les esprits, ni les puissances, ni le présent, ni l'avenir. Alors que dans le monde d'aujourd'hui, nous avons même des chrétiens qui ont peur du présent, dont le présent angoisse leur avenir, parce qu'ils ne sont pas sûrs du lendemain, ils ne sont pas sûrs de leur vie demain. Ils veulent quitter ce monde, ils ont oublié le chemin qui mène vers Dieu. Chers frères et sœurs, saint Paul est certain. Il voudrait nous rappeler cette certitude aussi que nous avons en Jésus-Christ. Il dit, ne la perdez pas, ne perdons pas cette certitude que Dieu seul a le dernier mot dans toutes ces souffrances à travers lesquelles nous pouvons passer. Ces souffrances qui peuvent nous amener jusqu'à la mort, jusqu'à vouloir nous donner la mort. Il dit, le Seigneur a le dernier mot. Nous n'en avons pas besoin. Nous n'avons pas besoin de nous donner la mort parce que nous sommes chrétiens. Tout cela ne peut pas nous séparer de l'amour que Dieu a mis en nous à travers Jésus-Christ. Nous avons été baptisés, nous avons été confirmés, nous avons été eucharistiés. Pourquoi être angoissés? Si nous sommes angoissés, chez qui irions-nous? Nous devons avoir la même certitude que saint Paul. Parce que Dieu est généreux. Dieu nous donne gratuitement son amour. Il est généreux envers chacun d'entre nous. Allons vers lui. Voilà pourquoi il a mis sur les lèvres du prophète Isaïe dans la première lecture. Et il nous appelle. Parce que nous sommes assoiffés de lui. Nous avons faim de lui. Il dit, vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent et sans rien payer. Dieu est généreux. Nous avons appris l'autre jour qu'il était patient, qu'il était miséricordieux, qu'il était lent à la colère et plein d'amour, qu'il ne nous jugeait pas, qu'il ne nous critiquait pas. Mais il nous dit, venez, venez à moi. Plusieurs fois Jésus l'a dit, venez à moi, je suis la porte de la bergerie. Venez à moi, vous qui avez soif, je vous donnerai à boire. Venez à moi, je suis le bon berger. Venez à moi avec vos joues qui sont lourdes, je vous donnerai le repos.
Je les rendrai légers. Je vous rendrai légers. Venez à moi. Et aujourd'hui, il nous appelle. Il nous invite. Est-ce que nous savons le chemin? Est-ce que nous savons où il demeure? Parfois, nous avons perdu le chemin qui mène vers lui. Chers frères et sœurs, pourquoi dépenser? Pourquoi nous fatiguer pour ce qui ne rassasie pas? Les hommes d'aujourd'hui se fatiguent pour ce qui ne rassasie pas, pour ce qui n'étanche pas leur soif. Il dit, écoutez-moi donc. Mangez de bonnes choses, régalez-vous des viandes savoureuses. Prêtez l'oreille, écoutez, prêtez l'oreille, écoutez sa parole. Manduquez sa parole, nous rassasiez de sa parole. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même qui se donne tous les jours. Prêtez l'oreille, venez à moi, écoutez et vous vivrez. Quand nous écoutons la parole, nous vivons. Parfois, nous n'avons plus le temps, consacrer notre temps à écouter la parole. Il nous dit qu'il se donne lui-même tout entier dans la parole. Qui a encore le temps d'écouter la parole de Dieu? Combien de temps consacrons-nous à écouter sa parole? Il dit qu'il nous donne la certitude, qu'il nous abreuve à partir de sa parole. Chers frères et sœurs, Dieu nous convie. Dieu nous invite. Voilà pourquoi il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ. Comme nous pouvons le palper dans l'évangile que nous venons de suivre. Il s'occupe de ceux qui ont faim et ceux qui ont soif. Comme d'habitude, il enseigne. Aujourd'hui, on nous le met dans une barque. Il s'en va. Il s'embarque pour un endroit désert, à l'écart. Mais les foules avaient déjà appris qu'il partait. Ces foules ont quitté leur ville pour le suivre à pied. Comme nous voyons parfois ici en Martinique, tous ces jours-ci, c'est la course des yoles. La course des yoles, ici en Martinique. Les foules arrivent dans la commune avant même que les yoles ne débarquent, n'arrivent à l'endroit. Mais les gens sont là déjà, avec leur petit drapeau, conformément à la yole qu'ils soutiennent. C'est comme ça qu'on a fait avec Jésus. Les foules étaient déjà là, parce que les foules avaient soif. Les foules avaient soif de la parole. Les foules avaient faim. Quand ils débarquent, ils trouvent les foules qui sont là. Mais c'est le soir. Dans un lieu désert, il n'y a rien à manger, il n'y a rien à boire. Ce sont les disciples qui vont lui rappeler. Seigneur, l'endroit est désert, il n'y a rien à manger, rien à boire. Renvoie les foules, qui s'en aillent. Que les foules s'en aillent. Il dit non, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. C'est ce que nous apportons. Même dans l'Eucharistie, c'est ce que nous apportons, du vin, du pain, fabriqué par nous-mêmes. Nous venons avec, et il s'y donne lui-même. Il dit, donnez-leur à manger. Il dit, mais nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, mais ça ne peut pas suffire. Et nous avons entendu dans la dernière phrase, on dit, ceux qui avaient mangé étaient environ 5 000. Comment est-ce qu'on pouvait nourrir 5 000 personnes avec 5 pains et 2 poissons. Mais c'est impossible. C'est impossible. Mais Dieu transforme à ce que ce qui est impossible à l'homme soit possible à Dieu. Chers frères et sœurs, on les lui a présentés. Jésus a fait comme il a fait le jeudi saint. Autour des 12, il prend les 5 pains, il prend les 2 poissons, il lève les yeux au ciel, il prie, et voilà. Et il donne tout cela aux apôtres pour qu'ils puissent partager à ceux qui étaient affamés. Et les gens ont mangé à satiété.
Ils ont mangé à satiété. Il y a eu même 12 paniers pleins. On a ramassé. Le reste, ça faisait combien? 12 paniers pleins. Vous voyez? Donc, ça fait partie des miettes dont je vais parler dans l'Eucharistie. Les miettes constituent 12 paniers. 12, un chiffre parfait comme tant d'autres. 3, 7, 12, les 12 tribus d'Israël. Un chiffre parfait. Il en reste. Tout le monde a mangé à satiété et il en reste. Mais après cela, c'est la mission, aller dans le monde entier. Chers frères et sœurs, je crois que pour moi aujourd'hui, par rapport au texte que l'Église nous propose aujourd'hui, je vois là-dedans la messe. La messe qui constitue deux, qui comporte deux tables. La table de la parole que nous venons d'écouter, où le Seigneur nous nourrit tout entier. Il se donne à nous. Il dit, écoutez-moi bien, prêtez votre oreille. Si vous m'écoutez, vous ne serez pas angoissé. Si vous m'écoutez, vous serez rassasié. Si vous m'écoutez, vous n'aurez plus soif. Si vous m'écoutez, vous n'aurez plus faim, comme Jésus s'est donné à ses contemporains. Dans Jean, au chapitre 6, il dit, c'est lui qui mange mon corps, celui qui boit mon sang aura la vie éternelle. Il n'aura plus soif, il n'aura plus faim. Mais plusieurs sont partis parce qu'ils n'avaient pas la foi. Mais ce sont les 12 qui sont restés. Ils disent, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. La parole de Dieu que nous écoutons. La première table dans l'Eucharistie, dans la messe, c'est la table de la parole où le Seigneur se donne. Et la deuxième, c'est l'Eucharistie, la table eucharistique où le Seigneur se donne, il est présent, il se donne à chacun d'entre nous pour se faire manger, pour que nous ayons la vie et la vie éternelle. Chers frères et sœurs, l'Eucharistie, la messe, plusieurs, même dans l'histoire de l'Église, les gens ont condamné l'Église. Ils disent que c'est l'Église qui a fabriqué la messe, c'est l'Église qui a fabriqué l'Eucharistie. Non, l'Eucharistie tient de Jésus lui-même. L'Eucharistie vient de Jésus lui-même parce qu'il a fait le jeudi saint et il a recommandé à ce que nous fassions cela en mémoire de lui. Saint Augustin a recommandé aux chrétiens de devenir ce qu'ils mangent. Il dit, ce que vous mangez, devenez ce que vous mangez, devenez ce que vous buvez. Qu'est-ce que cela signifie? Je vais donner 5 caractéristiques tout simplement. Cela veut dire que, 1, l'Eucharistie donne l'espérance. Quand nous venons, nous écoutons la parole et nous mangeons le Christ dans le pain et nous buvons le Christ dans le vin, l'Eucharistie donne l'espérance. L'Eucharistie était l'antidote à la désespérance, à l'angoisse, à la détresse, au fatalisme qui marque tant nos sociétés aujourd'hui. Autant d'expressions qui marquent la résignation actuelle, comme on ne peut pas changer, on ne changera pas le monde ne peut pas changer en bien, en voyant toutes les guerres qui sévissent aujourd'hui. Nous sommes désespérés. Mais l'Église nous apprend que l'Eucharistie est un antidote à la désespérance, au fatalisme. Que faisons-nous alors pour transformer le monde, nous qui avons part au corps et au sang du Christ? Chers frères et sœurs, l'Eucharistie révèle que la substance du monde est transformable. Le pain est devenu le corps du Christ et les apôtres, les disciples du Christ et chacun d'entre nous est transformé par l'Eucharistie. Donc, lorsque nous mangeons et buvons, après avoir écouté sa parole, nous devons être transformés, nous-mêmes d'abord, avant d'aller transformer le monde. L'espérance n'est pas seulement de l'ordre de l'attente, c'est découvrir dans l'Eucharistie déjà la présence actuelle, l'actualité de la présence de Jésus-Christ. La présence actuelle, contemporaine de ce que nous attendons, c'est la présence réelle de Jésus sous les espèces consacrées. Deuxième élément, l'Eucharistie, en particulier l'adoration eucharistique, transforme notre relation à Dieu et notre prière.
dans l'encyclique sur l'Eucharistie, le pape Jean-Paul II reste longuement prosterné devant Jésus présent dans l'Eucharistie. Il adore, il adorait Jésus dans l'Eucharistie. Il est là, il était là, le pape Jean-Paul II, il est resté prosterné devant Jésus dans l'Eucharistie. Il est là, Jésus est présent, disait le curé d'Ars, dont nous connaissons l'histoire. Le curé d'Ars disait, il est là, Jésus est présent. Dire cela bouleverse notre manière de vivre notre relation à Dieu. Nous sommes portés par cette certitude de l'objectivité de la présence par rapport à toutes les formes de quête spirituelle, subjective ou incertaine. Ici et sous d'autres cieux, les gens sont dans la quête spirituelle. Ils sont tantôt ici, ils sont tantôt là-bas. Parfois, à cause des problèmes qu'ils rencontrent dans leur vie, ils sont balancés partout. Nous les voyons encore avec toutes ces églises et des réveils. Je ne les stigmatise pas. Dieu les aime. Mais ça nous fait balloter à gauche, à droite. Et nous sommes là dans la quête spirituelle comme si nous étions toujours assoiffés, comme si nous avions toujours faim. Mais il nous dit qu'il est là. Il est là, mais c'est nous qui ne sommes pas certains. Nous n'avons pas cette certitude, comme Saint Paul nous invite à cela. Nous cherchons partout. Nous sommes ballottés. Nous allons parfois même chercher des fétiches pour que nous soyons là. Mais non, il nous dit qu'il est là. Tout cela ne nous amène à rien. Ça ne rime à rien. Il est là. Dans l'Eucharistie, je suis là. Dans la parole, je suis là. Les autres sacrements nous parlent. Parce que nous devons lier le sacrement de l'Eucharistie dans la triade, n'est-ce pas, des sacrements de l'initiation chrétienne. Le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Ou le baptême, l'Eucharistie et la confirmation. De la miséricorde de Jésus reçue dans le sacrement de pénitence, du courage et de la force dans l'épreuve, l'onction des malades, de la vie de Jésus reçue au baptême, de la force pour devenir témoin du Christ par la confirmation. Bien-aimé dans le Seigneur. Mais l'Eucharistie nous donne Jésus lui-même. C'est donc une conversion profonde de la prière, de notre relation à Dieu. Dans la prière d'adoration eucharistique, nous sommes amenés non pas d'abord à demander, mais à recevoir. Jésus est là. Mais plusieurs d'entre nous, qu'est-ce que nous faisons ? Quand nous allons à l'adoration, le réflexe est d'abord de demander. Non ! Le réflexe ne doit pas d'abord être celui de demander. Ne demandons pas, il nous dit qu'il est là. Comme on dit ici en Martinique, en créole, « Mouela épisode ». Dieu, Jésus nous dit ça, « Mouela épisode ». C'est-à-dire, « Je suis là avec vous ». Et tout notre exercice, c'est d'avoir cette réceptivité intérieure. Lorsque nous allons à l'adoration, chers frères et sœurs, ayons cette réceptivité intérieure pour accueillir le don que Dieu fait de lui-même. Il est là. N'oublions pas cela. Il est là. Contemplons-le. Dans l'Eucharistie, nous trouvons la réponse même à toutes nos prières. Réponse à toutes nos prières. Nous pouvons prendre le chapelet. Nous pouvons dire quoi que ce soit. Mais dans l'adoration eucharistique, dans l'Eucharistie, nous trouvons la réponse même à toutes nos prières, nos supplications, nos demandes. Jésus se donne lui-même. Il est la réponse à toutes nos prières et supplications. Quelques questions que je nous pose. Avons-nous vraiment le temps pour l'adoration aujourd'hui? Et nous qui avons un peu de temps pour cela, le faisons-nous vraiment avec foi? Ou restons-nous ancrés dans ce que j'appelle le m'as-tu vu chrétien, le m'as-tu vu spirituel, pour que les uns et les autres voient que moi aussi je vais à l'adoration. Mais est-ce que nous y restons?
parce que nous avons la foi en Dieu et que notre foi en lui est sincère, où nous faisons le matu-vu spirituel, le matu-vu chrétien, pour que me voie aussi que je défile là devant les Saint-Sacrements. Mais le Seigneur nous invite à le faire vraiment, avec foi. Combien d'entre eux, les chrétiens, ont abandonné Jésus dans l'Eucharistie pour recourir aux forces diaboliques en vue de se protéger ou de prospérer dans leur vie? Aujourd'hui, dans ce monde, il dit, je suis là, venez à moi. Mais nous l'abandonnons pour aller chercher des forces magiques, des forces diaboliques pour prospérer dans notre vie, pour nous protéger soi-disant. Mais il dit, je suis là tout entier, c'est moi qui vous protégerai, venez à moi. 3. L'Eucharistie nous incorpore au Christ et à l'Église. Le pape Paul VI écrivait, je cite, « L'Eucharistie n'est pas seulement destinée à l'union de tous les fidèles entre eux. La grâce spécifique de ce sacrement est précisément l'unité du corps mystique, c'est-à-dire l'unité de l'Église, notre unité. » Fin de citation. Le cardinal de Lubac, un grand théologien français, disait aussi, je cite, « C'est l'Église qui fait l'Eucharistie et c'est aussi l'Eucharistie qui fait l'Église. » Fin de citation. Nous ne pouvons pas vivre dans l'Église sans l'Eucharistie. Nous ne pouvons pas. L'Eucharistie donne ainsi un amour particulier de l'Église et nous délivre de l'isolement, de la privatisation de l'existence. Il y a beaucoup de situations qui font à ce que nous privatisions notre existence. Mais l'Eucharistie nous sort de là. L'Eucharistie nous sort de là. Nous sort de l'isolement. Nous sort de l'angoisse. Nous sort de tout cela. Comme saint Paul nous dit, ayez la certitude que l'amour du Christ est avec vous. Parce que nous communions au même corps eucharistique, nous formons ensemble une famille dont le Christ est la tête. Nous qui sommes ici, ceux qui nous écoutent, ceux qui nous voient, ceux qui nous écoutent à travers le monde, nous sommes en communion avec eux parce que nous formons l'Église, peuple de Dieu, corps mystique. Certaines de nos familles ne sont-elles pas divisées à cause des problèmes qui pourraient se régler après avoir participé à l'Eucharistie dominicale comme aujourd'hui? Sommes-nous prêts à aller terminer indifférents aujourd'hui, du genre calomnie, du genre jugement après cette célébration eucharistique? Mais il y a des choses latentes, il y a des choses dans nos familles, des séparations à cause de l'héritage, des héritages à cause de ceci, à cause de cela. Mais est-ce que nous sommes prêts, comme fils et filles du même père, comme ceux-là qui communient au même corps, à les terminer indifférents après cette célébration eucharistique, nous réconcilier après cette célébration eucharistique? 4. L'Eucharistie fait de nous des missionnaires. Nous sommes missionnaires. Après avoir écouté la parole, après avoir mangé et bu le corps et le sang du Christ successivement, nous sommes envoyés dans le monde. L'Eucharistie fait de nous des missionnaires. Lors de son audience générale du 21 juin 2000, le pape Jean-Paul II disait, je cite, « C'est dans l'Eucharistie que chaque croyant trouve la force indispensable pour annoncer à tous et témoigner de l'évangile du salut. » Fin de citation. La célébration de l'Eucharistie, sacrement de la Pâque du Seigneur, est en soi un élément missionnaire qui introduit dans le monde fécond de la vie nouvelle. Chers frères et sœurs, cette caractéristique missionnaire de l'Eucharistie est explicitement rappelée par saint Paul dans sa lettre aux Corinthiens. Il dit, « Chaque fois que vous mangez de ce pain et buvez de ce vin, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne, dit saint Paul aux Corinthiens. Nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. L'Église reprend les mots de saint Paul dans la doxologie après la consécration
lors de chaque messe. Et nous allons reprendre cela bientôt. L'Eucharistie est un sacrement missionnaire, non seulement parce que c'est d'elle que jaillit la grâce de sa mission, mais aussi parce qu'elle contient le principe et la source pérenne du salut pour tous les hommes. Donc, la célébration du sacrifice eucharistique est par conséquent l'acte missionnaire le plus efficace que la communauté ecclésiale puisse réaliser dans l'histoire du monde. Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'Église catholique, être missionnaire, c'est donc conduire quelqu'un à Jésus Eucharistie. Dans l'Église catholique, je me répète, être missionnaire, c'est donc conduire quelqu'un à Jésus Eucharistie. Le conduire un jour à être un adorateur, adorateur de Jésus dans l'Eucharistie. 5. Et enfin, l'Eucharistie conduit à la transformation du monde. Transformer le monde de ce temps, le monde où nous vivons. Dans l'évangile de Saint-Marc, au chapitre 7, la Syro-Phénicienne pousse Jésus à aller plus loin que le souci des brebis d'Israël. La Syro-Phénicienne pousse Jésus à aller au-delà, à être généreux au-delà des frontières d'Israël. L'Eucharistie, ce sont aussi ces miettes que l'on ramène et ramasse scrupuleusement après chaque Eucharistie. Vous voyez, quand tout le monde a communié, vous voyez le prêtre ramasser les miettes qui tombent sur le corporal ou qui restent dans les ciboires. Mais cela aussi a un sens dans notre vie. Le mystère eucharistique prend tous ces hommes, ces femmes, ces misérables, ces exclus, ceux que l'on regarde avec mépris, toutes ces injustices, ce sont ces miettes qui sont comme ces miettes. Donc pour nous, chrétiens, les miettes qui restent lorsque nous avons communié, c'est comme ces hommes-là, ces femmes, ces misérables, ces exclus, ces STF, ceux que nous regardons même dans nos familles avec mépris, ceux-là que nous regardons dans nos quartiers avec mépris, ceux-là que nous jugeons, ceux-là que nous critiquons, mais ce sont ceux-là qui sont comme ces miettes-là que le Seigneur ramasse, que le Seigneur rassemble parce qu'il les aime aussi. Tous ces drogués que nous voyons et que nous abandonnons, tous ces enfants abandonnés sont comme ces miettes après avoir communié que nous rassemblons et qui participent aussi du mystère eucharistique. C'est auprès de toutes ces situations que l'Eucharistie nous ramène pour transformer le monde et les structures de péché du monde. Chers frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, vous qui êtes ici présents, vous qui nous écoutez et vous tous qui nous voyez, qui nous regardez, nous allons prier pendant cette célébration eucharistique pour que toutes ces transformations trouvent leur source dans la transsubstantiation, c'est-à-dire Jésus présent sous les apparences du pain et du vin eucharistique. Que l'Eucharistie à laquelle nous participons chaque jour ou chaque dimanche transforme nos vies afin que nous soyons des fidèles témoins de celui qui est mort et ressuscité. Amen.